Promesse de la très sainte Vierge, à saint Dominique et au bienheureux Alain de la Roche, dévotion au rosaire. C'est par le rosaire que nous vaincrons, a dit Notre-Dame dans toutes ses apparitions. À tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grande grâce. Celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra quelques grâces signalées. Le rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer. Il détruira le vice, délivrera du péché, dissipera les hérésies. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes. Il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels, que d'âmes se sanctifieront par ce moyen. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Celui qui récitera pieusement mon rosaire en considérant ses mystères ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira, juste, il croira en grâce et deviendra digne de la vie éternelle. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par les secours du ciel. Ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces et ils participeront au mérite des bienheureux. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon rosaire. Les véritables enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Ce que vous demanderez par mon rosaire, vous l'obtiendrez. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. J'ai obtenu de mon fils que tous les confrères du rosaire aient pour frères, en la vie et à la mort, les saints du ciel. Ceux qui récitent fidèlement mon rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ. La dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination. Donc la dernière chose dit, la dévotion, c'est-à-dire le fait de prier l'ordre de la Sainte Vierge, signe de prédestination, et c'est-à-dire de garantie de salut éternel. C'est garantie de salut éternel. Vous bénissez Jésus et Marie 50 fois. Quand vous dites « Je vous salue Marie », Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant, et alors notre mort. La Sainte Vierge a demandé à Jésus, et Jésus a fait le premier miracle. Le premier miracle du changement de l'eau en vin, Jésus l'a fait, malgré le fait d'avoir dit « Mon heure n'est pas venue ». La Sainte Vierge dit « Faites ce qu'il dira ». Et il dit « Remplissez de 600 litres d'eau ces vases ». Et il a changé 600 litres d'eau en vin. Parce que la Sainte Vierge demandait, Jésus a fait le miracle. Et maintenant que la Sainte Vierge en corps et âme se trouve au ciel, eh bien Jésus fait ce qu'elle dit. Quand une mère demande à son fils, même si son fils est le roi, il est président, il est ministre, eh bien la mère demande et le fils fait. La même chose, la Sainte Vierge demande et Jésus fait. Donc, bienheureux mille fois, ceux qui prient la Sainte Vierge. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par les secours du ciel. Donc si vous dites tous les jours de votre vie, 50 fois par jour, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant. Aujourd'hui, il y a l'heure de notre mort, elle va paralyser les démons et les serpents infernaux. Si vous ne priez pas, la Sainte Vierge, c'est comme... La Sainte Vierge voit tout, en Dieu bien sûr, comme dans un miroir, nous connaît, nous aime, nous voit même les tentations, détecte les tentations les plus fortes que le diable prépare dans l'herbe verte. Le serpent, il est vert, l'herbe est verte, donc on ne voit pas le serpent. Donc la Sainte Vierge détecte toutes les tentations que le démon prépare. Elle peut intervenir, elle veut intervenir, mais il y a une condition. Le bon Dieu veut des enfants responsables. Donc demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Donc, les vrais dévots de Saint-Rosaire seront aidés par le secours du ciel. Les vrais dévots de Rosaire seront aidés au moment de leur mort par le secours du ciel. Ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu,
la plénitude de ses grâces, ils participeront au mérite des élus du ciel. Donc, ceux qui récitent le rosaire trouveront la lumière pendant leur vie et leur mort, la lumière de Dieu. Qu'est-ce que la lumière de Dieu? La foi vraie, la vraie foi, comme marcher dans le chemin de la vérité. Dieu est lumière, il pénètre toute obscurité. Donc plus un saint il est saint, plus il est proche de Dieu, plus il voit les choses comme Dieu les voit. Plus il voit les choses comme Dieu les voit. C'est la messe, mais c'est le sacrifice de Jésus. Jésus est mort sur la croix l'année 33. Où tiens-nous? On n'était pas nés. Comment le sang purificateur, sanctificateur de Christ vient chez nous, sur nous 2000 ans après? Eh bien, au moyen des sacrements. Les sacrements sont comme sept tuyaux, canaux, qui conduisent le salut du Christ. On est comme enfant de Dieu par le baptême. On doit croître la confirmation. On doit s'alimenter la communion. Et si on est malade, si on s'est sali, la confession pour nos péchés. Et les saintes huiles, c'est pour la préparation à l'éternité. Ces cinq sacrements, tout chrétien devrait les recevoir. Bien sûr, le baptême une fois, la confession une fois, mais la confession et l'Eucharistie, la communion, doit être très fréquent. Comme on se lave très régulièrement ou chaque jour, eh bien, il faut purifier régulièrement chaque semaine, chaque jour, son âme de ses péchés, avec repentir. Comme vous mangez chaque jour, à au moins une fois vous mangez, ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois par jour, eh bien, il faut aussi recevoir le corps de Jésus. Il a dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, la vie éternelle. Celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. C'est important ça. Pourquoi tant de tiédeur? On est froid, on est égoïste. Parce qu'on a besoin d'un aliment qui élimine le froid, qui donne la charité, qui donne de chaleur au cœur, la charité. Alors si on ne communie dans le péché, ça ne sert à rien de plus. Saint Paul, il le dit, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, 29, « Celui qui mange et boit le corps du Seigneur indignement, mange et boit sa propre condamnation. » Donc, communier, c'est bien, mais pas dans le péché. Vous n'allez pas mettre manger dans une assiette sale, quand même. Donc, c'est prière, si, sacrement, si, pénitence, si, vie chrétienne, si, mais aussi, il faut se former. Si on ne se forme pas, on est bombardé pour 1 000 millions d'idées qui viennent de n'importe où et de n'importe qui. Oui, mais ça a de l'influence quand même. Pourquoi? Parce que l'âme capte le bien et le mal. Alors si on n'est pas attentif à rejeter le mal, eh bien on se sent toxique. Quelqu'un a dit, il faut être très juste, c'est impossible de ne pas respirer les bactéries si on vit sur du fumier. Quand on vit sur le fumier, eh bien, les bactéries viennent dans le nez. Eh bien, elles descendent dans les poumons après. La même chose, c'est impossible de vivre dans un monde corrompu, perdu, sans s'inspirer, sans se corrompre peu à peu. Mais plus on s'approche de Jésus, plus on s'approche de la Sainte Vierge, plus on assiste au saint sacrifice de la croix qui est la messe, plus le sang de Jésus nous protège. La messe, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sacrifice de Jésus renouvelé sur l'autel avec la même efficacité à notre profit. Donc quand vous êtes à la messe, même si vous dites rien, même si vous ne chantez pas, vous dites rien, vous n'avez pas de miséricorde, peu importe, vous êtes là, mon Dieu, miséricorde, je te demande, et bien le sang de Jésus clame pour nous. Tu es dans le bien, clame pour toi pour te protéger, continuer. Tu es dans le mal, dans le péché, clame pour toi pour te secouer, mais il respecte notre liberté. Donc même un pécheur qui assiste à la messe, eh bien ça le protège, ça l'aide, ça l'empêche d'aller encore plus au fond, et il reçoit des grâces spéciales. Par exemple, après le credo, quand le prêtre fait présente le pain, qu'est-ce qu'il dit? Recevez, Père Tout-Puissant, cette hostie immaculée que je vous offre, moi indigne votre ministre, pour mes innombrables péchés, offenses, négligences, nécessité aussi. Aussi, je l'offre cette hostie pour tous ceux qui sont aquí présents. Même si vous ne dites rien, même si vous n'ouvrez pas la bouche, si vous êtes là, Seigneur, miséricorde, je te mets, eh bien, le prêtre, le ministre du Seigneur, offre le corps de Jésus pour tes péchés, négligence,
offense et nécessité. Et pour le salut éternel, pour le salut éternel de tous les chrétiens vivants et défunts, ce n'est pas n'importe quoi. Le sang de Jésus vraiment clame pour ceux qui assistent à la Sainte Messe. Donc c'est quelque chose d'important, savoir ça. Ne pas assister à la messe, pouvant y assister, est une catastrophe. Et le jour où il n'y a plus de messe, le diable va comme un raton libre. Il va tout sortir. Et précisément, d'où vient toute la corruption actuelle du monde occidental ? Des pays protestants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le sacrifice de la messe. Chacun interprète la Bible à sa manière, forme sa secte, et chacun... Bien sûr, il y a quelques-uns qui tâchent de vivre ce que dit l'Évangile, mais mutilés, ça ne marche pas. La messe, donc, verse le sang de Jésus invisiblement sur nous, honore Dieu dans le ciel, défend, protège, aide les hommes sur la terre, et comme l'eau éteigne le feu, ainsi la Sainte Messe aide les défunts. Aide les défunts. Pour cela, on célèbre des messes pour les défunts. C'est merveilleux. Mais aussi, la messe aide les vivants, ceux qui sont là. Ceux qui peuvent aller, ils ne vont pas, ils perdent beaucoup. Ceux qui ne peuvent pas aller, ils s'unissent à la messe, gagnent aussi beaucoup. Mais ne pas aller le dimanche, c'est une catastrophe. Nous devons sanctifier le jour du Seigneur, c'est vrai. Comment ? Eh bien, l'Église que Jésus a laissée, dit, la meilleure manière de sanctifier le jour du Seigneur, eh bien, c'est d'assister au sacrifice de Jésus, parce que Jésus est mort pour toi. Jésus en la croix, vous nous voyez, nous connaissez pour être Dieu. Vous voyez tous et chacun de nos péchés. Il a voulu expier ses péchés. Mais cette expiation vient à nous sur les sacrements. S'il n'y a pas de sacrement, il n'y a plus de vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'il y a cette destruction du sacerdoce, ou cette destruction des sacrements. Pour cela, je dis le protestant, c'est un chrétien faux. C'est faux. Et ceux qui ont les sacrements, Dieu merci, par ignorance, ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Réellement, quand vous êtes à la messe, vous êtes comme la Sainte Vierge et Saint Jean et la Madeleine devant la croix de Jésus. Et la prière que vous faites durant la messe, avec attention, avec dévotion, avec foi, ben, Jésus les assume, les montre au Père Célestel. Le pécheur qui est dans l'Église, bien sûr, pas de corps présent comme un mort, mais il est là, au moins, Seigneur, je suis ici, miséricorde, je te demande, eh bien, il peut être comme le publicain. Le publicain qui dit, Seigneur, je suis un pécheur, ayez pitié de moi, eh bien, il a été pardonné. Le sang de Jésus clame pour nous. Clame pour nous à la Sainte Messe. Jésus montre ses plaies au Dieu Père. Voilà, j'ai donné ma vie pour ces gens, qu'ils se sauvent. Donc, il y a, j'ai dit, 7 sacrements. 5, c'est pour tous les gens. Et 2, c'est pour la société. Le sacerdoce pour sanctifier les âmes, les guider, les instruire et offrir son sacrifice et pardonner les péchés, et le mariage pour sanctifier la famille, procréer des enfants et peupler le ciel et la terre. Okay. Mais les autres 5 sacrements, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit être baptisé, ça c'est une fois. Tout le monde doit être confirmé, ça c'est une fois. Mais la confession, la communion, ça doit être très fréquent. Une personne qui ne se confesse une fois par mois, au moins, il se trompe. Et s'il y a un péché mortel, le plus tôt possible. Et la communion, mais quand vous aurez faim de communier chaque jour, vous êtes dans le ciel. Mais si vous n'avez aucune envie de communier, même pas une fois par année, eh bien, on est comme mort. Et la confirmation, j'ai dit, un homme de 25 à 30 ans qui n'est pas confirmé, c'est un comme un bébé. Spirituellement parlant. Vous avez un petit arbre, il a 3 cm de racine, ben vous l'arrachez. Mais s'il a 30 mètres de racine, vous ne l'arrachez pas. L'enfant baptisé, il a 3 cm. La personne confirmée, il a 30 mètres de racine. D'ailleurs, l'importance de la confirmation. Donc, prière, bonnes œuvres, sainte messe, communion, confession, mais aussi formation.